Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 19 septembre et on commence directement avec la Ligue des Champions car ce soir c'est la reprise de la LDC, une compétition qui tient à cœur bien sûr du côté du Barça, surtout après les deux fiascos, les deux flops la saison dernière. Là il va falloir bien figurer cette saison. Donc c'est parti, Rod, c'est-à-dire en route pour Wembley parce que cette année la Ligue des Champions, la finale se déroule du côté de l'Angleterre, du côté de Wembley. Donc le chemin est très très long bien sûr pour atteindre les finales. Tout d'abord, il y a un adversaire ce soir, c'est l'équipe de Antwerp, une équipe belge. C'est à 21h, c'est sur beIN Sport 3, c'est du côté du stade Montjuïc, ça à domicile. Et on espère que le Barça commencera très très bien cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc tout d'abord, les photos de l'entraînement, c'était hier en mode un entraînement en mode Ligue des Champions. On peut voir déjà Xavi, hein. Et surtout, regardez le ballon, il est assis sur quoi? Un ballon, le ballon spécial mode Ligue des Champions. Et aussi le nouveau kit d'entraînement spécial Ligue des Champions, parce qu'il y a l'entraînement, le kit d'entraînement pour la Liga, le kit d'entraînement Ligue des Champions. Donc c'est la première fois, les gars, qui porte bien sûr hein, ce kit d'entraînement, toujours l'entraînement la veille hein, d'un match de LDC. Donc quelques photos, tiens, Gundogan, on peut voir Marc-André Ter Stegen, on peut voir Rafinha, on peut voir Jules Koundé, le jeune Lamine Yamal qui pourrait disputer ses premières minutes en Ligue des Champions, certainement ce soir. Wow, Félix, on peut voir Sergi Roberto, Alejandro Balde, Gavi ou même Ter Stegen pour revenir sur lui. Donc voilà quelques photos, il y en a encore plein d'autres hein. J'en ai sélectionné bien sûr quelques-unes. Et il y avait aussi Araujo qui a eu le droit à un bel accueil pour son retour à l'entraînement avec l'équipe hein. Donc déjà il a eu un entraînement jeudi, c'était hier et avant-hier. Et il y a eu un entraînement aussi en mode Ligue des Champions pour Araujo, mais il sera pas présent les gars. Araujo, on peut voir le groupe hein, le groupe de Xavi, pas de risque pris. Araujo, c'est bien, il a repris l'entraînement, tout ça, mais il ne sera pas présent pour le match de ce soir. On peut voir que son nom n'est pas inscrit. Pourquoi? Parce que déjà ce soir c'est Antwerp. Je pense qu'une équipe à la portée du Barça et surtout que les défenseurs actuellement, voilà, ça va le faire, enfin, on espère. Et surtout, pas le faire revenir trop rapidement, qu'il se reblesse. Hein. Donc, non, il sera peut-être là pour le week-end prochain, mais pour le match de ce soir, c'est encore trop juste. Sinon, tout le monde quasiment est là. Hein. Cancelo, bon, à part Pedri qui est également aussi hein, blessé. Sinon, Nico Martinez est là, Lewandowski, je ne sais pas, tiens, Félix, Christensen, Lamine Yamal, Sergio Roberto, Romeo, Marcos Alonso ou même Gavi. Donc voilà, sinon c'est le groupe au complet, bien sûr, ça c'est la bonne nouvelle actuellement, c'est que quasiment tout le monde est là. Les une aujourd'hui, donc Sport et Mondo Deportivo, toujours à bord Sport hein, en une de la une. Hein. Donc la Ligue des Champions de la vérité commence parce que en Liga, bon, ça se passe plutôt bien, le championnat a été remporté également la saison dernière, mais on sait que maintenant les supporters veulent bien performer en Ligue des Champions et ça commence bien sûr dès ce soir. Et la une cette fois-ci de Mundo Deportivo en route vers Wembley, où c'est Félix hein, qui fait la une bien sûr de ce journal. Donc voilà les deux une hein, je vous montre tous les jours les gars, ça parle bien sûr de ce match de ce soir. Les conférences de presse de Xavi, Oriol Romeu est terminée. On va revenir sur tout ce qui a été dit, puis pas mal de déclarations concernant les deux. On commence tout d'abord avec le coach Xavi. Pour nous c'est une motivation de jouer la Ligue des Champions, on était bon au niveau national avec la Ligue remportée, on doit l'être maintenant du côté du niveau européen, hein, bien sûr retrouver le grand Barça des années 2010, tout ça, qui était au moins toujours en demi-finale Ligue des Champions. Là ça a été bien sûr des échecs dès les phases de poule. C'est pour ça que maintenant il faut performer en Europe, tout simplement, que le Barça refasse peur en Europe, parce que les deux dernières saisons c'était pas du tout ça hein. Donc toujours avec Xavi, donc il y a une demande maximale conséquente du Barça de notre époque entre 2006 et 2015. On a gagné 4 LDC à partir de là et c'est normal, c'est le niveau de demande hein, bestial hein, que cela nous plaise ou pas, que nous voulons hériter de la meilleure édition possible. Hein. Je pense que prolonger le contrat de Baldé, bon, il parle de tout, hein. Il parle de la Ligue des Champions, il parle des questions des journalistes. Donc là, il parle du contrat de Baldé, Lamine Yamal est sur très bonne voie. Vous aurez des news bientôt concernant les deux qui devraient être très prochainement prolongés. Hein. En voyant les sensations, les visages des joueurs, la joie, ils sont excités. Nous sommes très excités d'affronter cette compétition, donc la LDC, et de pouvoir franchir le pas définitif et pouvoir y participer. Le coach avec qui j'ai le plus appris en management, Luis Aragonés. Toujours avec Xavi, hein, si nous jouons au niveau de samedi, nous pourrons également concourir en Europe. C'est ce que nous devons faire, donner une continuité à ce niveau de jeu pour pouvoir concourir à un niveau élevé. Hein. C'est vrai que si le Barça fait le même genre de match qu'ils ont fait contre le Betis, ça sortirait une très belle saison hein, en Ligue des Champions cette année. Il parle de Pedri étant en très bonne condition, il lui reste du temps, mais je ne peux pas fixer de date ferme pour son retour. Normalement, c'est d'être aux alentours du 22, j'ai pu voir 22 octobre, hein, dans à peu près un mois, ça doit être contre Bilbao, peut-être son retour. Mais bon, pas de risque pris, bien sûr. Hein. Le plus important est qu'il revienne de la meilleure façon et non de la manière la plus rapide, bien sûr. Hein. Pas le faire revenir trop rapidement, qu'il se reblesse, un peu comme Araujo. Nous parlons toujours d'attitude, de respect, d'effort, de là. Il y a un modèle de jeu, mais sans ces trois choses, vous ne pouvez pas être le Barça. Félix a déjà montré les trois choses. Hein. Le système n'a pas changé avec Cancelo, les noms ont changé, pas la volonté ni la manière de faire, toujours avec Xavi.
avis, hein. J'y crois toujours, je dois être positif et je le suis. Il s'agit maintenant d'arrêter l'euphorie, surtout chez les joueurs. Samedi, nous avons bien fait beaucoup de choses, mais elles n'ont pas toutes été excellentes. Les joueurs sont en forme, sont très excités par cette compétition. Je leur demanderai de profiter, de s'amuser, de travailler. C'est important de donner une continuité sur et en dehors du terrain de ce qui s'est passé samedi et de bien continuer en plus à ça encore à domicile, de magnifiquement continuer, on va dire, cette série de victoires samedi, bah, avec ce soir, avec une victoire si possible et pourquoi pas un gros score. Hein. On aurait pu convoquer Arojo ce soir, mais on ne veut pas forcer, il sera là ce week-end. Donc voilà, ce week-end, ça sera le retour d'Arojo, mais pas ce soir. L'année dernière, nous avons eu beaucoup de malheur avec le tirage au sort, hein, le Bayern et l'Inter quand même. C'était un gros groupe. Hein. Cette année, nous devons montrer que le groupe semble plus abordable. Le champion du championnat belge aura ses atouts. Ils font beaucoup de choses bien. Voilà, par rapport à cette équipe de Antwerp, hein, que je connais, je vous cache pas trop, même pas du tout. Il parle aussi de Ferran. Hein. Ferran Torres m'a dit cet été qu'il avait besoin de faire une bonne pré-saison. Nous lui avons donné le temps nécessaire pour démontrer son intention de vouloir bien faire. Son attitude et son travail ont toujours été là. Et en cela, il est un exemple. Hein. Il sera très important cette saison. Hein. C'est difficile de faire un 11, mais c'est bien. On a beaucoup d'alternatives pour que les joueurs entrent et changent le match. Hein. Nous avons tous une pression extraordinaire, mais c'est la bienvenue. J'aime les défis, je me suis déjà imposé. Il dit également, hein, j'ai un super souvenir de Van Bommel, qui est le coach de l'équipe de Antwerp, l'adversaire de ce soir. Un super souvenir en tant que personne. Il fait un excellent travail avec Antwerp. C'est un rival très dynamique dans lequel je soulignerai les cotes. Toujours avec Xavi, je dis qu'il a fait pas mal de déclarations. L'année dernière, nous avons bien joué, mais le résultat ne nous a pas suffi. Nous avons un groupe pour concourir en Europe, mais nous devons maintenant le prouver sur le terrain. C'est une question d'action et non de mots. Maintenant, la vérité, de toute façon, ça se passe sur le terrain. T'as beau dire plein de choses en conférence de presse, c'est sur le terrain qui est le plus important. C'est la saison pour faire le grand saut en Ligue des Champions. Nous verrons jusqu'où nous pourrons le faire. L'objectif est de sortir du groupe. Ensuite, nous parlerons. Nous devons être en 8e de finale après 2 ans sans y arriver. L'objectif maintenant, c'est d'aller déjà en 8e. Et après, pas à pas, après, c'est à moyen d'aller en quart, mais y aller après quart, enfin demi. Pour moi, l'objectif reste comme la demi-finale. Hein. Lui dit que l'objectif, c'est les 8e. Il faut, je pense, aller au moins en demi pour que la saison soit bonne en LDC. Le premier objectif est de passer les poules. Après, on parlera de l'objectif suivant. L'année dernière, on n'a pas assez donné pour concourir. Maintenant, c'est le cas. Il est important de savoir que c'est la compétition maximale, les joueurs sont excités, mais nous devons pas devenir obsédés par la LDC. Nous devons maintenir le niveau de samedi. Donc voilà, quelques déclarations de Xavi, quelques-unes d'Auriel Romelu aussi. On veut savoir ce qu'il pense. Hein. Donc Antwerp vient de gagner la Ligue des Champions, la Ligue belge, hein, peut-être pas la LDC. À des joueurs de talent expérimentés, il faudra bien commencer contre cette équipe. Un message aux fans, c'est facile, l'équipe grandit et va s'améliorer contre le Betis. C'était un très bon match. Il faut continuer à s'améliorer. À certains moments, le Real Betis a eu des opportunités. Il ne faut pas leur donner. Toujours avec Auriel Romelu, l'effectif est petit, mais l'entraîneur a beaucoup d'options. Si les blessures nous respectent, l'équipe que nous avons est très bonne. Hein. Jouer la Ligue des Champions est une motivation en plus. Écouter l'hymne, voir les équipes en lice, c'est spécial. La motivation du groupe est maximale pour affronter cette équipe ce soir. Donc titulaire indiscutable, il a dit quand tu arrives ici, tu te prépares pour cela et tu remercies le coach, ça te met plus à l'aise et j'espère aider l'équipe et continuer à le faire. Il y a beaucoup de matchs, il faudra s'adapter aussi, grandir avec l'équipe. Hein. Notre effectif a une variété qui nous permet de jouer de différentes manières sur certains matchs. Gavi est un joueur incroyable, il a dit Auriel Romelu. Il me met une intensité sur chaque action, chaque match. Il est toujours là entre les lignes, bien placé. C'est difficile de jouer à ce niveau, à cet âge. Hein. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans, hein, Gavi, ce qui montre, hein, c'est quand même incroyable. La Ligue des Champions, l'un des plus beaux trophées. Depuis tout jeune, tu rêves de jouer la LDC. On a vu nos idoles gagner, hein, la Ligue des Champions. Francky De Jong est aussi puissant physiquement. Dès qu'il se sent bien, l'équipe va bien. Il parle de sa relation aussi avec Francky De Jong. Hors du terrain, on a une relation top. Il est souvent ouvert, gentil, aimable, comme les autres coéquipiers. Dans le vestiaire, c'est top. Sur le terrain, il est incroyable. Il te donne toujours le ballon dans les bonnes conditions. En parlant de Francky De Jong. Et dernière déclaration d'Auriel Romelu, hein. J'espère d'être au top, d'aider mes coéquipiers. Chacun respecte son rôle. Il faut s'adapter rapidement ici. Je suis sûr qu'au fur des matchs, ça ira encore mieux. Hein. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu en Ligue des Champions. Je te mentirais si je disais que je pensais rejouer au Barça lorsque j'étais à Southampton. Parce qu'oubliez pas qu'il a déjà joué en Ligue des Champions. Auriel Romelu, on va en parler juste après. Félix, entre les lignes, il est très bon. Il participe aussi défensivement. Cancelo et Félix, hein, chaque joueur apporte différemment. Dès le premier jour où ils se sont intégrés au groupe, ils voulaient venir
revenir, ils sont au top niveau. Cancelo est un top latéral et il l'a montré. On veut bien commencer à être leader et être bon sur le terrain. Et pour finir, les deux dernières déclarations d'Oriol Romeu, la situation est à l'optimiste. On veut être bon au niveau européen, c'est l'objectif du club, pas que des joueurs. On veut aller le plus loin possible et motiver de jouer la LDC. On est sur la bonne lancée, il faut continuer. Donc voilà, ça a été long les gars, mais voilà, toutes les déclarations d'Oriol Romeu et Xavi en conférence de presse hier. Et pour revenir sur Romeu, hein, j'ai dit qu'il a déjà joué la Ligue des Champions. Donc il jouera à nouveau la LDC, certainement ce soir, après 11 ans d'absence. Ses débuts en LDC avec le Barça auront lieu le 19 septembre, exactement 12 ans après ses débuts en LDC avec Chelsea. Il avait joué aussi avec Chelsea il y a 12 ans, jour pour jour, c'était un 19 septembre. Également. Lewandowski va certainement aussi jouer ce soir. Hein. Lewandowski a pour objectif d'atteindre les 100 buts en Ligue des Champions, compte actuellement 91 buts et son objectif serait de dépasser cette barre symbolique des 100 buts en LDC. Bah, il lui reste encore au moins 9 buts à marquer en LDC. Toujours tiens avec le match de ce soir, les compos probables. Tout d'abord, Mundo Deportivo nous met ce 11 côté Barça. On peut voir le 11 aussi côté Antwerp. Hein. Donc Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, Gundogan, De Jong, Gavi, Rafinha, Lewandowski et Félix. Après, c'est seulement une compo probable, hein. Ça peut bien sûr beaucoup bouger. On peut voir aussi la compo du journal Sport, voilà, qui est quasiment la même, hein. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui changent, mais attention les gars, parce que là on peut voir Cancelo, ou même sur celle-là, Cancelo qui pourrait commencer titulaire défenseur droit, alors que il y en a qui disent que Roberto devrait titulaire ce soir, hein. Cancelo pourrait être au repos pour le match, et la même chose pour Inigo Martinez qui devrait titulaire ce soir, alors que sur les compos probables, on peut voir Christensen Koundé qui devrait être aligné, donc voilà, ça peut encore beaucoup bouger bien évidemment à la compo de ce soir. Pensez-vous que le Barça peut rejoindre le club à 100% cette saison, c'est-à-dire les clubs en gros en phase de poule qui ont réussi à gagner leurs 6 matchs. Par exemple, le Barça l'avait fait en 2002-2003, les 6 matchs de poule, les 6 victoires. Donc voilà, les clubs qui ont réalisé cet exploit dernier en date, hein, c'est le Bayern Munich en 2022-2023. Donc c'est faisable, hein, qu'on voit le groupe. Le Barça peut, et si le Barça réalise à faire le 6 sur 6, le Barça gagnera 26 millions d'euros, parce que des matchs gagnés en Ligue des Champions, c'est le jackpot, donc voilà, ça peut faire une grosse rentrée d'argent si le Barça fait du 6 sur 6 en phase de poule. Concernant les équipes favorites, donc le Barça n'est bien sûr pas l'équipe favorite pour remporter la LDC, mais plutôt bien classé 5e club qui a le plus de chances de remporter la LDC derrière City, le Bayern, le Real et Arsenal, donc le Barça a une cote à 14, hein, pour remporter cette édition de la Ligue des Champions. 8 joueurs du Barça ont déjà remporté la Ligue des Champions, Ter Stegen, Sergio Roberto au Barça, Romeu, Marcos Alonso et Christensen à Chelsea, Lewandowski au Bayern et Gundogan et Cancelo à Manchester City. C'est vrai que Romeu l'a déjà remporté, hein. On parlait tout à l'heure, il a déjà remporté l'LDC avec l'équipe de Chelsea. Von Bommel, le coach de Antwerp, hein, le Barça a l'une des meilleures lignes d'attaque de toute la Ligue des Champions. Dans l'ensemble, l'équipe est excellente. Nous allons nous concentrer sur la défense. Il a également dit l'adversaire le plus redoutable qu'on a jamais affronté est le Barça. Et c'est ce soir. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui connaissent les joueurs. Bon, je ne cache pas, je crois que j'en connais. Peut-être aucun, voilà, je connais aucun joueur quand même de cette équipe d'Antwerp. Donc voilà, le 11 qui pourrait être titularisé, hein, pour cette équipe d'Antwerp ce soir. Concernant, regardez ce classement, c'est toutes les équipes actuellement en Ligue des Champions, celles qui ont dépensé le plus jusqu'au moins. Et le Barça est le club qui a dépensé le moins parmi les 32 équipes qualifiées en Ligue des Champions, seulement 3,4 millions d'euros. Je crois que c'est Oriol Romeu, c'est dans tous les autres joueurs, c'est des prêts ou des transferts gratuits, hein, comme Gundogan ou même Inigo Martinez. Donc c'est le PSG qui a dépensé le plus, hein. C'est 100 fois plus que le Barça, c'est plus de 350 millions d'euros qu'ils ont dépensé le PSG, alors que le Barça seulement 3 millions. Le troisième maillot du Barça pour la saison prochaine, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions, mais aussi ce futur troisième maillot qui pourrait ressembler à ça. On connaît déjà peut-être le maillot domicile extérieur, j'ai déjà montré pas mal de fois là ces derniers jours. Et le troisième maillot pourrait être celui-là pour la saison prochaine. Une clause libératoire de 58 millions d'euros a été intégrée au nouveau contrat de Bernardo Silva. Celle-ci est valable à partir de l'été 2024, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2024, un club, par exemple comme le Barça qui est intéressé par Silva, il faudra falloir débourser seulement, enfin c'est déjà une belle somme, mais voilà, 58 millions d'euros pour s'offrir le joueur portugais. Concernant Sancho, hein, le Barça, j'en avais parlé il y a 2-3 jours, ils sont très intéressés par Sancho et c'est vrai, hein. Donc le Barça garde un œil sur la situation de Sancho pour le mercato de janvier, parce qu'actuellement lui est totalement exclu de l'équipe première, hein, de Manchester United. Alejandro Balde renouvellera son contrat avec le Barça jeudi jusqu'en 2028. Voilà, donc après-demain normalement, ça va être l'officialisation de la prolongation de contrat d'Alejandro Balde. Et on finit bien évidemment avec, quand il y a un match du jour, on finit avec le pronostic de la rencontre. Donc Barça Antwerp, mettez-moi un petit pronostic en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi je vais partir bien sûr sur une victoire du Barça et sur le même score que lors du match contre le Betis, je vais partir sur une victoire 5-0. Je pense que le Barça peut mettre vraiment pas mal de buts ce soir. Antwerp, hein, bon, c'est le plus faible du groupe. Allez, je pars sur 5-0 pour le Barça ce soir. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on fera bien évidemment le débrief de cette rencontre, et moi je vous laisse, bonne journée à vous, bon match à vous et à demain.